Et donc bonjour à tous, c'est Mathieu. Et donc on se retrouve sur du track mécanique. Donc on va tout simplement remonter les pièces qu'on avait démontées la dernière fois. Donc c'est-à-dire tout ce qui est bas de vitesse. Donc volant d'inertie, disque d'embrayage, plateau, la boîte de vitesse. Après. Voilà. Hop. Oh, j'ai un rime. Shit. Le démarreur. Alors ici, le joint de transmission. Hop. C'est 4 vis. J'ai dû enlever celui de derrière aussi. Ça c'est chiant. Est-ce que je vais pouvoir avoir une lumière? Voilà. Ouf, putain, c'est chaud. Donc il y avait ça. Je vais remettre celui-là aussi. Comme ça sera fait. Parce que je crois qu'il n'y avait pas besoin de les enlever, ou presque. Ou je sais même plus. Celui-là, il fallait les changer. Par contre, ce que je vais faire, mettre l'état. Donc ici, pareil, l'extension. Voilà, et l'arbre qui était mort. Voilà. Donc là, on est à la 71e. Donc après, il y a la 72e. Et en tout, il y en a 75 en fait. Donc on finit déjà celle-ci. Et normalement, il reste plus que les pièces mortes. Là pour aller plus vite, on fait comme ça et donc on peut passer ou pas. C'était quoi la mission? Les vitesses et la suspension est lourdement. Ouais, mais j'espère que c'est pas devant. Et on peut pas les tester sur la route ou... J'aimerais bien pouvoir faire des tests quand même. Ah bah voilà. On peut enfin faire des tests. Comme ça nous permettra de diagnostiquer plus facilement tout ce qui va mal. Quand c'est marqué actionner les freins, faut bien actionner. Bon là déjà au niveau des freins arrière, ça va pas. Alors suspension avant. Non, ça va. Suspension arrière. Comme ça on verra les pièces qui sont rouges. Donc là j'ai réparé, donc normalement ça aurait été bon. Par contre, je pense qu'il faudra. Allez, vas-y, charge-moi tout ça. Il faudra sans doute. Comment on appelle ça? Voilà.
Ouf, ouf, ouf. D'accord. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à démonter l'arrière. Je pensais que c'était terminé, mais non. D'accord. Super. Bon, on va tout démonter et puis c'est tout. Mon Dieu. Heureusement que j'ai fait les tests. Hein. Non, je pense qu'il n'y a pas derrière. Comme je dis toujours, le roulement interne, il doit être bon. Si ça c'est bon, le roulement est bon. Non, bah non, tu vois. Alors après, donc je vais déjà tirer les roues. Hop. Voilà. Le tambour. Je pense qu'il y a ça aussi. Le roulement. Non, c'est bon. Par contre, il y a ça. Celui-là est mort. Ici, il y a celui-là enlevé. Celui-là, pareil. Alors, du coup, on resoulève le pont. Maintenant qu'on a les pièces qu'on voit toutes les pièces qui sont à changer. Pourquoi il me la amène devant lui? Putain, c'est pas possible. Bon, alors, donc du coup, on a ça enlevé. Celui-là aussi. On a toute la suspension à changer. Et on va bien rigoler. Du coup, on repasse au-dessus. En espérant alors que je finisse au moins ce jeu. Peut-être pas pour cette fois-ci, mais au moins la semaine prochaine. Pourquoi il veut pas l'enlever? Il m'énerve là. Voilà. Bon. Voilà pour un côté. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Tranquille. J'ai dit ça. Ça et ça. Alors, est-ce qu'il y a des pièces à réparer? Si possible. Juste ça. Ok. Donc il faut racheter quasiment tout. Entre guillemets. Les bras de suspension sans doute. L'amortisseur. Alors. 1, 2 tambours arrière. 2 suspensions pneumatiques. Deux amortisseurs arrière. Un roulement. Deux ressorts arrière. Alors, deux amortisseurs arrière déjà. Non, d'accord, je vais essayer de m'acheter tout ça quand même. Donc, on a dit deux amortisseurs arrière. Après. Il n'y avait pas besoin. Ça c'est bon. Après ça ça a été réparé. Non.
Au sort arrière, il y en avait deux. Un roulement interne. Deux tambours arrière. Je crois que c'est tout. Et les suspensions pneumatiques aussi. Alors, celles-là, elles sont là, tiens. Une, deux. Merci, il m'en manque des pièces. Il faudra que je les reprenne, donc. Allez, c'est parti pour le montage. Donc celui-là, on peut le remettre, il était bon. Ça, c'est pareil. Ok. Voilà. On refait à neuf. Bon. Donc celui-ci, on peut le remettre. Ici, on peut remettre le roulement. Le moyeu droit avant. Le moyeu droit arrière plutôt. Demi-essieu. Je remets les pièces que je peux remettre. Ah bah je peux remettre le tambour, tiens. Paf. C'est tout ce qu'on peut remettre parce qu'après c'est en dessous que ça se passe. Donc ici, le moyeu droit. Arrière, le demi-essieu arrière. La plaquette de frein et le tambour. Après, donc il y a le ressort arrière. Fixation. Le collier. L'autre. L'amortisseur arrière et le silence bloc ici. Voilà. Donc ça c'était pour le dessus. Maintenant on revient en dessous. En fait, maintenant que j'ai normalement remis. Celle-ci, on peut aller derrière directement. Formidable. Donc du coup, il y a celui-ci à remettre. La barre ici. Et l'autre plateau, l'autre plaque arrière ici. Hop. Ensuite, on repasse au niveau des roues. Pour finir de monter la roue arrière, du moins les deux roues. Donc ici il y a la suspension pneumatique plus la roue. Hop, hop, hop. Et c'est quelques vis. Voilà pour la roue de droite. Et on passe au côté gauche avec suspension arrière. Et la roue. Allez hop. On resserre tout ça. Et voilà. Donc on se retrouve après un petit retour Windows. Donc désolé pour cette coupure. Donc du coup, normalement, on a fini la mission. Je vais quand même regarder. Ouais, c'est bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est vider l'inventaire. Voilà, vider l'inventaire. Hop. Ça va vite comme ça. Et ça évite d'avoir trop de choses dans l'inventaire. Donc c'est bon, c'est passé. Donc on passe à la mission numéro 72, c'est parti. Alors. Remplacer ou réparer les pièces cassées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois choses dont il faut s'occuper. L'embrayage, l'huile et l'échappement. Je n'ai pas le temps pour des explications à mon retour.
Tout doit être en parfait état. Eh bien, écoute, ça va être fait. Déjà, on va commencer par. Peut-être. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, l'échappement, l'huile et l'embrayage. Alors, pour l'échappement, il vaut mieux commencer par enlever les deux tuyaux de derrière, les deux pots d'échappement. Pour ce faire, tenir pour l'embrayage et la boîte aussi. Donc, on va déjà commencer par enlever peut-être cela. Parce que ceux-là, ils sont chiants à enlever. On voit même pas les vis, c'est ça qui est chiant. Hop, donc du coup on peut tirer ça. C'est quoi, c'est vérifié ou c'est... il faut vraiment changer les pièces. On va écouter, on va... Pour enlever les pièces alors. Ah oui, 11%. Quatorze, 18. Bon, alors continuons avec la boîte cette fois-ci. Hop. Les deux croisillons. Pareil derrière. Hop. Voilà pour un. Voilà pour l'autre. Carte de transmission. C'est juste la boîte ou alors il faut enlever ça aussi. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Non. Bon. Alors du coup après. L'huile, ça qu'ils ont dit. Hein. Vidanger comme ça sera clair. Alors ici, bien là on est obligé de tout tirer pour avoir accès à la boîte de vitesse. Hop, 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 et hop. Alors je sais pas du tout parce que j'ai plein de choses qui me passent par la tête en ce moment pour les vidéos. Pour cent et cela, après on peut inspecter l'état de celle-là. Non, je pense que c'est le volant, peut-être le palier ici. Non, pour lui c'est bon. Bon, ça c'était pour ça. Maintenant on va redescendre le pont. Et passer au moteur. Est-ce que ça, on peut... Non, on peut pas le vérifier. Presque envie de l'enlever pour moi. Quoique, c'est pas le pot d'échappement. Qu'est-ce qu'il va être meilleur? L'huile, l'échappement et l'embrayage. Bon, bah, du coup. Je vais peut-être démonter ça par contre. En cas où, quoi, pour voir. Non, d'accord. Ok. Alors, du coup, on va remettre de l'huile.
Hop. Comme ça sera réparé, ça sera fait pour ça. Voilà pour les 16, donc c'est très bien, c'est pas grave. C'est 16$ pour moi. Alors, dans l'inventaire. Donc, il y a tuyau de collecteur, accord type A. Le disque. Un voyage. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réparer? Ou il faut tout racheter? D'accord. Donc, vaut mieux racheter. Non, on ne peut que racheter les pièces qui sont mortes, hein, de toute manière. Donc, il y avait le disque. Un voyage, il est où lui? Disque d'embrayage. Alors après au niveau des pots d'échappement. Ça c'était bon. Celui-là ou alors celui-ci, je sais plus lequel. Je vais revoir. Hein. Alors il y avait donc du coup. Raccord de tuyau A, extension du tuyau long et tuyau du collecteur. Donc on a dit raccord du tuyau type A, extension du tuyau long et tuyau du collecteur. Donc tuyau collecteur. Raccord du tuyau type A et puis extension long. Celui-là, du tuyau long, voilà, donc normalement, il n'y a plus qu'à remonter tout ça, et puis ça sera bon. Par contre, tout se passe en dessous. Alors, on remonte. Hop. Je vais commencer par le tuyau, parce que ça va être le plus chiant à remonter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord monter le bas. Hop. Comme ça, on sera pas emmerdé après. Voilà. Pour redescendre. Ok. Et celui-ci, pareil. Voilà. Par contre là ça va pas le faire. C'est ça qui m'énerve avec ça. Ah voilà, j'ai réussi à me... Maintenant il faut que je remette le... Ici, tout ce qui est bois de vitesse. Hop, hop. Donc, le disque, le plateau. Hop. Ok. Je finis ça. Voilà. Démarreur. Après, je crois qu'il faut que je remette un truc derrière aussi. Est-ce que je peux l'atteindre ici? Oui. Ouf. Ok. Hop. L'arbre de transmission.
Du coup, on va aller derrière. Remettre les extensions de croisillon. Non, les roulements de croisillon. Et pareil pour devant. Si j'arrive à l'atteindre de là. Hop. Voilà pour un. Et voilà pour l'autre. Et normalement, là, c'est bon. Ouais. Hop. Alors, par contre, l'inventaire. On vend tout. Et ici, on passe à l'ordre suivant. C'est parti. 73e mission. Après, il faut que je fasse en sorte aussi de garder. Peut-être pour la semaine prochaine. Au pire, on verra. Alors, remplacer les pièces cassées. Donc, j'ai récemment remarqué que l'eau coulait, mais je n'ai pas trouvé la fuite depuis. De plus, le moteur s'est mis à fonctionner bizarrement et un matin, le camion ne fonctionnait plus. Pourriez-vous réparer mon camion? Alors, soit avec la détection des pièces, ça nous a détecté les pièces en rouge. Sinon, on vient là et on fait un test scan OBD. Allez. Voilà. Donc ça. Alors le test, il donne quoi là? Rien d'anormal à première vue. Est-ce que le tuyau est bon? Mais de l'eau, ça vient du radiateur. Hein. Ou alors des tuyaux du radiateur. En fait, il y a l'allumage qui est. Ah oui, bah, celui-là aussi. De toute manière, je suis obligé d'enlever celui-là. Enlever celui-là. Celui-ci, non, faut enlever ça. Et après, il y a celui-ci enlevé. Celui-ci. Celui-ci, il est comment là? Oh, pas là. Ouais, d'accord. Lui là, elle est comment? Je vais pas changer l'huile. Par contre, je vais peut-être lui en rajouter. Ah, purée. Ah, ça en fait des vis. Hop. La culasse est morte ou pas? Merci, le joint de culasse est mort. Ouais, bon bah écoutez, on va monter ça déjà. Ah merde, il faut démonter le pot. Chier. Voilà, et c'est parti, on démonte le pot. Encore ça va, c'est un européen le camion. Du coup, il y a moins de choses à démonter au niveau du pot.
Comment c'est au niveau de l'état de la du piston? Là, c'est bon. Allez, on va démonter tout ça. Hop. 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 Ceci, et puis voilà, on peut démonter du coup le turbo. C'est de l'autre côté. Je préfère tout enlever d'un coup, et puis après on modifie les pièces au fur et à mesure après. Allez, on démonte le turbo. Collecteur d'échappement. En fait, c'est pas de l'eau qui a coulé, c'est carrément l'huile qui a explosé ou quoi. Allez, c'est parti pour suivre. Hop, oh, c'est vachement long ça. C'est les pièces les plus longues à changer. 18% à la culasse. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Celui-là, il est comment? Il a quoi? Non, bon, ben, d'accord. Alors, du coup, au niveau réparation, il y a déjà le collecteur, la culasse, et c'est tout. Alors après, à racheter, on a quoi? Le joint de culasse. Alors déjà, on a le fil de bougie de préchauffage, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, le couvercle de culasse et le joint de culasse. Alors, boutique de pièces, donc on a dit les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fil. Où est celui-là? Fil de bougie de préchauffage. Et puis, alors c'était quoi le dernier? Le nouveau de la couvercle de culasse peut-être? Ou tête? Oui, ça s'appelle. Il doit être tout en haut, bien sûr. Par contre, il y a celui-là. Couvercle de culasse. Aussi. Donc j'ai bougé, c'est bon. Le couvercle de culasse, c'est bon. Le film, ok. Et le joint de culasse. Par contre, le collecteur, d'admission, c'est bon. Bon, bah, on va remonter tout ça. Allez, c'est parti. Sachant que c'est les dernières minutes, donc du coup, on remontera ça. Écoutez, la semaine prochaine, on finira cette mission. Hein, et puis ce sera bon. Merde. Pourquoi j'ai remonté ça? J'ai pas acheté le joint. Oh, donc on verra ça la semaine prochaine. Allez hop. Donc du coup on se dit à demain pour du Euro Truck. Donc à demain. N'oubliez pas les commentaires, de vous abonner. Et bien sûr les petits pouces bleus. Allez ciao ciao et à demain.